Bonjour mes louloutes, bienvenue, les nouvelles, les anciennes, sur votre canal de santé et des bien-être. Ce matin, je partage avec vous un petit déjeuner aux céréales, l'avoine et au riz et sans gluten. Voilà, donc les sans gluten est garanti pour une digestion légère. Donc les détails du sans gluten, je vous en parlerai dans une autre vidéo entièrement. Concernant la maladie de cœliaque, qui est une maladie auto-immune qui affecte environ 1% de la population. Elle est déclenchée par les gluten consommés. Donc ça, je vous en parlerai très longuement. Donc là, je vais prendre, donc je vous montre les, si vous le voyez bien, vous voyez, donc c'est des l'avoine et du riz, et il y a quatre fruits rouges, ou quatre fruits rouges, dit-il. Donc, je vais prendre, voilà, une petite dose pour le matin. Et là, je vais agrémenter davantage avec des petits fruits rouges qui vont me convenir, moi, parce que voilà, c'est très intéressant. Donc, l'avoine. Des céréales très populaires et riches en fibres solubles. L'avoine faciliterait la digestion des aliments, les transits au niveau des intestins et éviterait donc les problèmes de constipation. Donc pour ça, il est super. Donc là, je vais prendre le fruit rouge, voilà, que j'ai acheté, voilà, que je consomme bio. Comme je vous ai dit, faites si vous pouvez pareil. Sinon, gardez vos fruits et légumes. Donc les myrtilles sont là. Donc, les myrtilles est un fruit peu calorique, bien pourvu en fibres et en vitamine C et vitamine E. Donc, je vais ouvrir. Voilà. Donc, je vais décorer. Et je vais vous montrer comment ça va se produire. Donc, les framboises, elle est riche en vitamine C, elle est l'un des fruits les mieux pourvus en fer. Elle contient un taux important de calcium, de potassium, de magnésium et des nutriments vraiment très importants pour le corps. Voilà. Et là, j'ai la mûre qui est riche en vitamine C et vitamine E. Donc un fruit également très intéressant à manger au petit déjeuner. C'est très léger, c'est très digeste, tout ça. C'est pour ça que c'est très intéressant le matin, ainsi que les groseilles, vous voyez, elles sont là également, qui sont riches en vitamine C, en potassium, et qui favorisent la satiété. Ce qui est très important quand vous mangez ça ou que votre enfant mange ça, la journée, eh ben, il ne va pas avoir faim. Avant la cantine, il aura un repas assez complet, voilà, et chargé en minéraux. Voyez, en 5 minutes chrono, vous avez votre lait, si vous avez envie de saupoudrer un peu de lait. Sinon, vous mettez carrément votre yaourt, hein, tac, et vous mélangez, ça fait aussi l'affaire. Une petite tasse de café ou de tisane ou d'infusion ou de thé, voilà, et votre petit déjeuner est prêt. 5 minutes chrono. Voilà. Mais écoutez, je vous ai donné encore une petite idée. Profitez, savourez, likez, partagez et abonnez-vous pour suivre les nouveautés. Je mange à votre santé. L'astucieuse maman éveille et émerveille avec ses merveilles créations. Profitez-en.